Honda ne l'avait pas renouvelé depuis de nombreuses années. 2016 marquera le retour de l'iconique Africa Twin. Et c'est en Afrique du Sud que le constructeur nous a conviés pour un essai placé sous le signe de l'aventure. Si elle s'inspire clairement de son illustre ancêtre, la nouvelle Africa Twin abandonne son V-Twin de 750 cm3 pour un bicylindre parallèle de 998 cm3 hyper compact, qui permet d'une part d'améliorer la centralisation des masses, mais aussi d'affiner l'arcade de la selle. On est très bien installé hein, sur cette moto. Ça peut paraître un petit peu haut comme ça, alors donc j'ai baissé quand même un petit peu la hauteur de selle pour être un petit peu plus à l'aise quand je pose les pieds au sol. C'est très moelleux hein, comme selle. L'amortissement est très souple lui aussi pour le moment. J'ai pas fait de réglage du tout. Les bras sont très écartés évidemment pour avoir plus de maniabilité. Vraiment, ce qui prédomine, c'est cette sensation d'être à l'aise et d'avoir beaucoup de liberté de mouvement en fait. Sur la moto, c'est parfait, tout tombe sous la main, pour le moment rien à dire. Le constructeur japonais a réussi à concevoir une machine proche de la première Africa Twin dans l'esprit, sans faire l'impasse sur les technologies modernes essentielles. Le meilleur exemple, c'est la possibilité de déconnecter l'ABS de la roue arrière seulement, ou de choisir le niveau d'intervention du traction control. Elle conserve le côté joueur et passe-partout d'une TT, tout en proposant des prestations routières de premier ordre. Énorme nouveauté sur l'Africa Twin, elle est proposée avec une boîte manuelle 6 vitesses traditionnelle, mais il est aussi possible d'opter pour une boîte automatique à double embrayage DCT. Sur route, elle devient alors une véritable moto touring. Les Komodo de la version DCT intègrent les boutons de contrôle de la boîte auto en plus de ceux qui permettent de naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord très complet. De simples boutons placés à droite des deux écrans LCD permettent de couper l'ABS arrière ou de passer en mode gravel si l'on a opté pour la boîte auto. En revanche, qu'elle soit équipée d'une boîte mécanique ou automatique, l'Africa Twin propose des projecteurs, des clignotants ainsi qu'un feu arrière full LED et un pot d'échappement inox à double chambre à la sonorité très travaillée. Sur route, alors une fois lancée, ce qui est très intéressant, c'est... cette sensation d'être sur un rail, vraiment, alors qu'on a une roue de 21 pouces à l'avant, ça reste très maniable, tout en étant relativement doux sur les changements d'angle. Dans les virages relativement serrés, alors il ne faut pas s'étonner d'avoir une légère entame de glisse hein, sur le pneu arrière dès qu'on accélère un petit peu trop fort, mais globalement, c'est vraiment très sain, hein, c'est très bien équilibré, et on peut imaginer rouler très vite. D'ailleurs, on ne s'en est pas privé puisqu'on nous a gentiment fermé les routes, on a quand même fait des pointes à 225 km/h, avec vraiment un sentiment de plaisir et de stabilité. Lorsqu'on est à 160, 170, on sent vraiment c'est sa vitesse de croisière. Alors c'est là que la boîte DCT prend tout son sens, hein, parce que finalement lorsqu'on est en mode touring comme ça, on n'est pas sans arrêt en train de rentrer les rapports et autres. Et puis c'est très pratique, dès qu'on revient en ville, on n'a plus rien à faire. C'est vraiment cette sensation d'être pratiquement sur un scooter, hein, faut le dire. Et c'est très agréable, il faut quand même le reconnaître, ça fonctionne très très bien. Et puis ce moteur est vraiment très agréable, il envoie de façon très linéaire, on se sent pas du tout surpris, on n'est jamais surpris par ce moteur à vrai dire, c'est très sécurisant. Le bicylindre parallèle calé à 270 degrés et équipé de culasse Unicam 4 soupapes est très inspiré de celle qui équipe les CRF 400R. Il développe une puissance contenue à 95 chevaux à 7500 tours-minute qui le rend exploitable en toutes conditions. Quant au freinage, il est confié à l'avant à deux étriers radio à 4 pistons qui mordent des disques dentelles flottants de 310 mm de diamètre. À l'arrière, un étrier simple piston et un disque de 310 mm équipent l'Africa Twin. Un deuxième étrier prend place sur la version DCT, équipée de série d'un frein de parking. La fourche inversée et le combiné arrière Showa à grand débattement, 230 mm à l'avant et 220 mm à l'arrière, sont intégralement réglables en précharge, détente et compression pour s'adapter au mieux aux conditions de roulage. «
Moi j'apprécie beaucoup le freinage, hein. Dès qu'on commence à rouler un petit peu fort, c'est important. Et là honnêtement c'est un freinage qui est très rassurant. Il y a une grosse attaque hein, sur le frein avant. Alors évidemment il y a un transfert de charge qui s'opère. En l'occurrence si on met vraiment du frein arrière en début de freinage, eh ben, on assoit bien la moto, il n'y a pas de problème. Le transfert est vraiment très bien maîtrisé par la fourche Showa. No problème vraiment. Mais ce qui a fait la réputation de l'ancienne Africa Twin, c'était sa capacité à sortir des sentiers battus. Parce que son cadre et ses jantes sont très inspirés de la CRF 450R, l'Africa Twin version 2016 ne déroge pas à la règle, y compris lorsqu'elle est équipée de la boîte DCT. Voilà, dès qu'on commence à sortir un petit peu des sentiers battus, on se sent tout de suite à l'aise en fait. Hein. Même si on n'est pas un grand pratiquant comme moi des parties off-road, c'est assez sécurisant. Il suffit de se mettre un petit peu debout et puis ça va tout de suite mieux. On juge un petit peu mieux de ce qui se passe devant. Et là, d'un seul coup, on commence à prendre du plaisir, y compris avec la boîte DCT. Dès que ça monte, dès qu'on est un petit peu à caisse, on se concentre un petit peu sur ce qui se passe devant. Ça déleste un petit peu de ce poids de l'embrayage et du bon rapport absolument. On se met en mode gravel, c'est-à-dire en mode gravier, et puis on a l'impression qu'on peut passer partout. D'ailleurs, les meilleurs d'entre nous passeront partout, ça c'est sûr. Après, en boîte manuelle, bah forcément, c'est peut-être à réserver à ceux qui sont déjà très aguerris, qui vont pouvoir y trouver beaucoup plus de plaisir encore qu'avec la boîte automatique. Mais c'est un petit peu la même remarque qu'on pourrait faire sur la route. Hein. Moi, je suis assez convaincu par cette moto en off-road, notamment par l'amortissement qui est vraiment excellent. Ça avale absolument toutes les irrégularités du terrain. Il manque peut-être un petit peu de pêche, par exemple, pour se mettre un petit peu en roue arrière pour passer un obstacle. Mais bon, c'est juste une question de pratique, en réalité, plus que la moto qui n'est pas capable de le faire. Hein. Moi, c'est une moto qui m'impressionne vraiment pour sa polyvalence, en fait. Si son pare-brise était réglable et si elle avait été équipée d'origine d'une béquille centrale, elle aurait pratiquement pu faire un sans-faute, car elle s'avère tout de même assez onéreuse à l'achat. Si son prix d'entrée de gamme, fixé à 12 999 euros, ne semble pas déraisonnable, pour rouler en Africa Twin toute option, soit doté du pack expédition, il faudra alourdir la facture de plus de 2600 euros. Et encore 1000 euros de plus pour la boîte automatique, soit plus de 16 600 euros en tout. L'aventure met en classe à faire. Gente, eu falei assim, até chegou essa semana.